Mais je crois qu'il voulait, il voulait pas 2000. Faire ça. 2000, tu fais les deux en même temps, je crois. Alors, pour ceux qui veulent gérer cette histoire-là, si vous avez un GPS, si vous ne gérez pas avec les systèmes de compte, vous gérez, on va dire, avec simplement votre onglet finesse. Ah oui. Dès que tu es à 3.5, on va dire, du PC, t'as plus que la balise à faire. T'as plus que la balise à faire. Est-ce qu'il vous a mis une altitude? Ah mais non, mais ça dépend dans quel sens. Ah, mais c'est débile, il ne faut pas le faire. Il ne voulait pas le faire avant. Je ne sais pas pourquoi il va le faire maintenant. De quoi vous parlez? Parce que tu pourrais le faire de l'autre côté. On va encore le grenade, c'est déjà le cône, l'imagination. Le cône est débile. Il faudrait un secteur de cône pour que ça marche. Bon, cône de 3.5, est-ce que vous avez mis un rayon? De toute façon, vous allez aller voir le PC, hein, vous ne prenez pas tout là. Ah bon? Il faut qu'on vole à combien? À 3, sinon, on va se faire niquer. C'est non mais il va pas, il va. Ce qu'il va jouer, c'est l'altitude de la brise plus que le cône. Hein. Ouais. On va essayer de claquer la balise et de revenir pousser. Le cône, il va en Australie. Je croyais que c'était mieux pour la petite taille, moi, les Le cône, il va en Australie. Ah ouais. On arrive à la base, à 2000. On prend 25 secondes. Même niveau que toi, mais de toute façon, tes tailles, on se niquait dans tous les cas. Tant t'arrives à compenser pendant une manche, je suis si tu refais tout sur les faces, donc tu passes le code et ensuite tu peux passer la balise, mais c'est pas ça. Non, c'est vrai. C'est plus efficace si tu veux que de faire ça, traverser. Je sais que je suis trop haut et tu refais sur le code. Pour claquer le code. Bon, après, sans confiance.